Alloa, c'est Zelor de Samouraï, de retour sur Borderlands pré-séquel. Nous venons dans l'épisode, enfin dans la présentation du personnage précédent, présenter la baronne, qui était le tout nouveau personnage. Et j'ai décidé en fait de continuer un petit peu l'aventure, mais en changeant régulièrement de personnage. Et donc, et de faire une présentation donc, des personnages. Tout en continuant la quête principale. Donc ici j'ai choisi oui, on voit mieux comme ça. J'ai choisi le claptrap puisque dans le début de l'aventure sur la lune mon compte d'oxygène tout simplement. Hein, vous allez tout de suite le constater puisque nous avons été envoyés sur la lune grâce à cette boîte dans ce container hein, qui était propulsé, qui était tiré par le canon de la station d'Hyperion. Et donc dès que je vais ouvrir la porte en fait je vais être projeté sur la lune qui n'a pas d'atmosphère, j'arriverai à le dire, et qui du coup n'a pas d'oxygène non plus. Donc on va y aller. Je vérifie un truc. Ouais, faudra que je vire mon. Je vais lancer. Tellement foutu besoin d'oxygène psychosomatique. Par ici. Donc il faut savoir qu'en fait je viens de terminer une session où j'ai fini la présentation de la plupart des personnages et que je me suis rendu compte que je jouais en mode plein écran et du coup que ça enregistrait du noir. Voilà. Allez savoir pourquoi mon programme ne désire pas filmer quelque chose qui soit en plein écran. Là, je vais activer ce générateur de dôme à oxygène pour que tu puisses respirer. Un peu gênant, j'ai passé plusieurs heures à filmer complètement inutilement. Entre ça et les soucis de son qui j'enregistre des heures et des heures, une soirée complète de GTA. J'ai presque. Ce serait la honte de mourir maintenant. Donc ici, comme je l'ai dit, on a en fait des dômes. On a des dômes voilà, qui sont créés par cette machine là que je peux éteindre. Pour enlever l'oxygène ou au contraire l'allumer pour pouvoir bénéficier d'une recharge d'oxygène. Et j'arrive ma belle, j'arrive. Ah ça c'est bon, c'est bien la première fois que. En fait, elle est venue me voir. Qui est presque. Ce sera la honte de pour continuer maintenant. Son trajet, en fait. Ah, waouh. Ah, ça, c'est joli. La dernière fois, j'étais resté là. Mais son trajet, en fait. Elle avait ouvert le... Elle avait ouvert le passage. Tout va bien. Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi? Je suis un prototype expérimental appelé FR4G. Cool. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un signal quelque part sur cette lune qui brouille les défenses de la station Helios. Alors, si on veut pouvoir y retourner, on va devoir le détruire. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider. Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller. On appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. Rends-toi à ses coordonnées et nettoie l'endroit. Donc c'est bien ce que j'explique, hein. Je n'ai pas du tout besoin de respirer. Toute première grenade, hein, c'est tout.
Il faut savoir que je filme plusieurs épisodes à la fois. Allez, j'essaie de prendre un tout petit peu d'avance sur un... Ah bah voilà. Un tout petit peu d'avance sur les épisodes, etc. Sur mes vidéos. Histoire de ne pas tomber à coup, de ne pas arriver avec... Ah, ça va pas. De ne pas arriver avec... Nina retape, vie et bouclier vidéos, comme pas deux. Donc j'avais acheté un bouclier tout à l'heure. Oh. Ça fait cher le bouclier qu'ils avaient. 127. 127. Waouh. Oh là là. Ils me disent quand t'as des dégâts de brûlure. Yeah. Alors, je pouvais les vendre toutes. J'ai trouvé de superbes armes qui m'ont permis d'aller battre le boss. Si il fait seconde danse, vide. Je spoil un peu du coup. Salutations, Nina, bien pour toi. Si toi, voilà, merci Mandel. Donc je vais essayer de pas traîner pour arriver juste devant le boss. Je le referai avec Pudel. Qui était waouh, juste génial. C'est pas une fois que je bats le boss. Et je l'ai juste déglingué tout à l'heure. Parce que ouais, je recommence directement. Bon voilà. Alors j'ai tendance à me rendre sur les points d'oxygène. C'est des points où de l'oxygène qui sort. Par habitude en fait d'avoir un personnage qui manque d'oxygène. Alors je vais tout de suite venir ici. Voilà, pour quitter un petit peu cela. Si je ne suis pas malin. Ils vont s'exciter quand j'arrive près de la porte. Et... Oh, bah j'ai eu la chance. Peut-être. Bah, tout à l'heure, j'en ai eu un plus gros. Oh, c'est dommage que j'ai dit. Juste après le boss, un combat dantesque. Autrefois, c'était un seul morceau ici. Et il n'y avait pas toute cette lave. Et puis ensuite, bah, la grande fissure, quoi. Combat dantesque avec ces bestioles là, je suis tombé sur un boss. J'ai deux petits aiguilles. J'ai deux petits comme ça. Et un tout petit trop. Tout simplement, on a mis deux petits comme ça. J'ai juste eu trop de mal. J'ai dépensé toutes mes munitions, toutes mes armes pour réussir le. À le tuer, enfin à les tuer parce que c'est un petit pirate. C'était juste que dans la tête, rusher. Toi je t'avais activé. J'ai dû rusher comme un porc toute une zone pour réussir à trouver des munitions. On est juste oublié. C'est verrouillé. Oups, plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. Ouais, ça marche pas. C'est comme ça qu'on dit main ici. Prends ça. Oh yeah. Tu pourrais aussi me tuer tous ces méchants pour très envie de me faire molester à nouveau. Et voilà, un kit d'oxygène. Idéal pour la respiration, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis. Vu que son nom ne serait plus là, tu vas me remercier en tuant quelqu'un. Son nom, c'est Poids Mort. Il est près d'ici, et c'est un connard. Il a aussi un truc qui me permettra de nous faire entrer dans Concordia. C'est bon? T'as tout nettoyé? J'arrive. Apporte-moi le kit d'oxygène cassé, je vais te le réparer. Connard. Yep. Je suis aussi à sec. Toujours. Je suis vraiment à sec, quoi. Des belles choses. Ok, madame.
Alors, 15-17, passe en mode rafale contre... Ah, que j'étais tombé sur des bons flingues tout à l'heure. Vraiment pas bien. Poids-mort est à la tête d'une bande de pillards qui traînait autrefois sur l'ancien site de forage de Dalle. Le colonel Zarpedon les achetait en prison, mais ils ont filé quand les opérations de Dalle ont fissuré la lune. Zarpedon? Son père, c'était un dinosaure? Enfin bref. Il a la clé de numérialisation de mes stations Munzu. Tu le tues, je te fais entrer dans Concordia, et je saute de joie. Tout le monde y gagne. Ça fait trois fois que je vois ce machin, que je l'entends dire sa connerie, là. Mais toujours aussi mort. Tout à l'heure, j'avais pris... Il me faut une nouvelle clé à molette. J'avais pris les quêtes ici, mais j'avais un petit souci. J'arrive plus à mettre. Ah, j'arriverai à retomber sur le mode. On va partir dans mon côté des fesses. Alors comme j'ai un peu moins galéré que tout à l'heure, je pourrais arriver juste devant le boss. Munzumi, il m'a laissé là et il s'est montré insultant quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord. Mais surtout, c'est un canard. De l'arche. Ici le colonel Zarpedon. C'est moi. Tu dois quitter Elpis.
Les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Mais... Je ne veux pas te tuer si je t'y suis pas obligé. Non, mais... Désolé, mais on m'a donné des ordres. Je parlais. Tu as commis des crimes envers Hyperion et tu vas devoir être puni. Très bien. Comme tu veux. Toi mort, ici le colonel Zarpedon. Je veux que tu tues les chasseurs de l'Arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. Je refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. J'ai même rien dit d'abord, espèce de vilaine. Donc je fais... Je fais un petit détour. Histoire d'essayer de voir mon niveau 5. Parce qu'avec Vilaine, j'avais... Ah, j'avais recommencé. J'avais été... Je m'étais arrêté. Je vais continuer en fait. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Attention, c'est une chose un peu logique. Hop là. Donc on voit que ça c'est quand même intéressant. Et si pour le moment bon, comme je suis avec la trappe, j'ai pas besoin d'oxygène. Mais par après ça va devenir extrêmement important. Et alors nous allons. Oh putain, je suis vraiment tombé sur un très très bon bouclier moi tout à l'heure. Je suis vraiment. J'ai 23 mais 10. Quand tu penses meurtre, pense munitions Marcus. Alors. Merci pour l'oseille. Merci, ça c'est bon. Ça c'est pour mon pistolet. Mes grâces sont à fond. Oh, c'est toi qui as les kits d'oxygène en fait. Je vais en avoir besoin pour après. J'ai du 108 ici, alors ça fait quoi? Cadence de tir. Contrôle de placement, rien à tirer. Augmentation des dégâts. Ah ben non, j'ai 110 là. Quoi, les grenades que vous lancez. Faites en l'air une chose de ne pas consommer de munitions. Je me dis que c'est un tantine intéressant dans le sens où j'ai tendance à sauter justement pour balancer une grenade, mais cadence de tir et vitesse de déplacement pour chaque unité en moins. Non, souvent je me retrouve full. Contrôle de vos déplacements et vos dégâts au corps à corps. Je suis pas au corps à corps. Moins les dégâts que vous infligez aussi volante. Il vous montre votre cadence de tir en quelques secondes après avoir tué un ennemi volant. Non. C'est vraiment pas intéressant. Et... J'ai combien à 5 Ouais, non, bah non. Ouais. Question. Prudence, environnement, atmosphère. Donc, je vais t'arrêter ici. Tout à l'heure. Mais je vais continuer. C'est des mercenaires qui s'approchent de mon vaisseau. Je vais prendre mon envol et les pilonner du ciel à coups de derrière. Je suis un cérébral. Moi je l'aime bien ce type. Je crois que j'ai fait une grosse séance de jeu tout à l'heure. Parce que je suis un peu fatigué. Tout à l'heure, je les ai tous vraiment à la tête sans rater aucun tir. Voilà. Il en reste un. Ici. Et il me semble qu'il y en a encore. Hop là. Alors ça c'est un truc que... qui est une recherche d'oxygène. Tout à l'heure avec Willem j'avais... Je galérais un petit peu à sniper.
les ennemis et en même temps à garder de l'oxygène. Ah, c'est vraiment dommage, c'était vraiment épique. J'ai pas du boss en 2-2. Alors c'est comme ça à l'intérieur des gens. Ma poule. Comment utilise cette plateforme de saut comme porte d'entrée? T'as qu'à faire comme lui. Quand les ennemis sont trop bien, on les sniper. Ah, y'a un mec qui fait ça. Pas eu. Viens près de moi, mon chouchou. Viens près de moi. C'était pas avec ton laser. Parce qu'il faut savoir que quand ça drop. Me dites pas que vous avez pas trouvé ça génial. Je donne du bon ramassage. Eh ben, j'ai bien fait. Ça risque de tomber. Vachement plus doux, sniper. Surtout dans Borderlands. Bien que j'adore le gun. Celui-là. Mais en version. En version Jacobs. Puisque ça tire à la cowboy. Je tire à la cowboy. C'est juste trop génial. Je m'attends à me faire attaquer par quelqu'un qui a... même temps que la dernière fois en fait. Voilà, hop, on a les défis badass, donc voilà. Et ah, donc j'ai terminé un défi mais j'ai pas débloqué de... autant pour moi tout à l'heure c'était j'avais fait quoi badass, mais j'ai pu. Yep. Oui. Alors fail de ma part.
Voilà, tout à l'heure, pendant le combat, avec, avec Willem, parce que j'ai fait toute cette zone avec Willem, j'étais passé à côté de la plateforme, donc j'ai continué la quête, et ici, je ne suis pas passé. J'ai désactivé la plateforme. Pardonne-moi, petite plateforme. Voilà. Je voulais pas. Merde. Rends-toi à cette sous-station géothermique. On va voir ce qu'il a fait. Oui, madame. C'était déjà fait. Laissez pas ces prétentieux d'Hyperion faire un pas de plus. Mais oui, mais tes mecs ils sont morts. Généralement ils disent ça et alors les mecs ils descendent là. Voilà, ils sont un petit peu d'être. Tout à l'heure c'était mieux passé. Hein. Petite pièce de morale aussi de savoir qu'on enregistre toute la vie aussi et de voir qu'on a rien et qu'il faut recommencer. Pourquoi ça marche pas? Ah, voilà, la plateforme est prête. Ah, mais j'ai une idée. Ça pourrait être toi le fusible. C'est-à-dire? Si tu refermes le circuit entre ces deux câbles, ça devrait réactiver la plateforme. T'as qu'à te tenir entre les deux bouts qui font des étincelles. Ça va faire mal? Bien sûr. Tu vas douiller. Donc ben voilà, je sais de... ça me semblait plus normal de faire maintenant, ça avec la plateforme. Tue-moi Steve et tu pourras aller à Concordia. Pourquoi est-ce que ces raclures d'Hyperion sont encore en vie? Wow, oh yes. Allez, marche plus. Arrête de lancer des trucs, tu me gênes ma visée, patate va. Tout à l'heure j'avais dû sauter directement et tuer des gens quasiment au paradoxe. Parce qu'ils ont envoyé des... Ils m'ont envoyé des grenades, sinon c'est enfoiré. Toujours repasser par face à certains moments. En sorte de récupérer des munitions. T'as utilisé des plateformes? Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai aussi assisté à la mort de nombreux innocents. Ouais, mais c'est pour des plateformes, quoi. Donc, on vient de voir le personnage, encore une fois. Le personnage principal qu'ils ont choisi. Je sais pas du tout pourquoi ils ont choisi ce personnage-là. J'hésite même à le faire. Faire une présentation, parce que je ne peux pas la sentir. Enfin, bref. C'était donc. La présentation de Claptrap, et je vois que je suis niveau 5, ça tombe bien, parce que tout à l'heure j'étais niveau 4, ça sera plus facile pour Willem de désinguer le boss qui est juste dans la salle d'à côté. Et je vous dis, salut salut!